What's up, guys? Ici votre love, Dr. Love Machine, JD. Et aujourd'hui, je n'étais pas supposé faire une vidéo, mais j'ai vu qu'il y avait un boy en détresse et je me suis dit, tant qu'à aider un boy, on va aider tous les boys qui sont dans la même situation. Un de mes amis, un de mes meilleurs boys, il me tag dans un spotted concordia. Et là, I'm like, hey, what's going on here? So, je lis et je vous le lis. On va traduire après parce que c'est en anglais. This goes to the girl from my art classes. Thanks to Dr. Stowell, who called you in class to return your exam. I finally know your name, Miriam. Beautiful Miriam. Goddess of my dreams. You're one very special girl. I am in love with your nonchalance and your I don't care vibe. When you're clearly seem to... There's a lot... Yo, il y a beaucoup d'erreurs, man. Le livre, c'est pas écrit. When you clearly seem to be very smart and funny. I wish that one day I'll have the guts to talk to you. But until then, keep doing you, girl. Secret love. Come on, man, what the hell is this? Bro, t'es un... Bro, il est dans ta classe, c'est tellement facile. Il est dans ta classe. Marche comme Arthur. Salut. Salut. Salut, girl. Salut. 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 Dis-y salut, Jesus! C'est pas si difficile, regardez! Ici, les étapes à suivre si tu veux que... Madame, je suis en amour avec ta nonchalance. Comment tu peux être en amour avec la nonchalance de quelqu'un? So, étape numéro 1. Essaye d'avoir des petites conversations du chit-chat avec elle. Genre, dis-y salut, comment ça va, parle-lui de l'école, parle-lui de ci, parle-lui de ça. Fais-le une fois, deux fois. À la troisième fois, essaye d'avoir son nom. Si tu l'as déjà fait, c'est encore mieux. Mais après la troisième conversation que vous avez, elle va sur Facebook après l'école. Parce que tu vas pas avoir un total creep, puis tu vas pas slide dans ses DMs si tu veux la messager. Tu veux lui envoyer un message. Parce que oui, il y a une différence entre envoyer un message à quelqu'un et sliding the DMs. Sliding the DMs, c'est un peu... Fuckboy-ish. Pas tous ceux qui envoient des DMs qui sont des fuckboys, mais tous les fuckboys envoient des DMs. Tu l'as addé sur Facebook, right? So là, qu'est-ce qu'on veut que tu fasses, genre, check-la sur Instagram, like un peu de ses photos, va add-la sur Snapchat, you know. Sois involved dans ses réseaux sociaux pour que, genre, tu sois comme présent dans sa vie, genre, involontairement, comme ça, en classe. Elle va venir te parler, tu vas aller lui parler, vous allez vous asseoir à côté. L'important, c'est si tu te rends à t'asseoir à côté d'elle, faut que tu la teases, mettre de l'ambiance érotique. Mais je dis pas genre aller comme dans un sex shop puis acheter de l'huile à massage. Je veux juste dire genre, tease-la, tu veux pas la traiter comme un t'es bro tabarnak. Non, tu veux la traiter comme si c'était une mamzelle, you know, que tu veux. I wanna move my man with your body, oh. We gotta take it fast before we take it slow. What the fuck is going on, man? Ça dérape. Bon. Une fois que tu t'es assis à côté d'elle en classe, que t'es allé étudier avec, maintenant, invite-la à aller prendre un café, mais pas pour étudier, juste pour chiller. Puis après ça, check c'est quoi ses intérêts, check comment elle est réceptive à tes moves, parce qu'éventuellement, tu vas devoir faire des moves. Mais j'en conclue que si t'es pas capable de dire salut à la fille, aller faire des moves comme genre... Donner un câlin, mettre ton bras sur elle, flatter la cuisse, grab her by the pussy! Tu sais, regarde, fais ça, right? Bro, c'est le temps de faire un move, si t'es obligé de faire un move, fais un move! Fais un move! Que ce soit le moonwalk ou l'embrasser, you gotta make a move! Parce que faut que tu mettes au clair tout de suite que tu veux pas juste une amitié, que tu veux pas juste une relation platonique. So, si elle accepte ton move, nice! Si elle décline ton move, prends ta carte de débit, frotte un peu, puis réessaye encore! What the hell's going on? Si elle décline encore, you gotta pay cash and bounce! Pay cash and dip! She dip, she dip, she dip! What's up, Cardi B? Aller parler à quelqu'un, c'est pas si difficile que ça. Faut pas mettre les gens sur un piédestal. Moi, je suis la même, moi, je suis au même niveau que toi, puis tout le monde est au même niveau, là. Right? Que la personne soit fucking belle, que la personne soit laide, que la personne soit grande, que la personne soit petite. On est tous au même niveau. Faut pas mettre les gens sur des piédestals. On est tous au même niveau. Si on allait parler à la plus belle fille, c'est comme aller parler à la fille qui est cute.
C'est comme aller parler à une fille qui n'est pas de ton goût. C'est toute la même chose. Faut que tu enlèves ces barrières mentales. L'important, c'est de se rappeler que il faut toujours rendre les situations plus faciles que qu'est-ce qu'elles sont. Parce que chaque situation est facile et chaque situation a une solution. Faut juste la trouver. Tu vas aller parler à la fille, mais il n'y a pas 15 000 solutions. On va lui parler. J'espère que tu as aimé ma vidéo parce que moi, j'aime ça faire ça pour vous. J'aime ça avoir le feedback. Puis quand vous me dites que vous avez ri en checkant mon vidéo, je capote! So drop a like, drop a comment, and drop it like it's hot. When the pimp hits the crib, man, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot.